Bonjour, mon nom est Martine Lacasse. Je vous souhaite la bienvenue. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à visiter mon site Internet au www.martinelacasse.ca. Aujourd'hui, j'ai eu le goût de m'adresser principalement aux gens qui travaillent de la maison. Quand vous avez votre espace de travail, donc chez vous, et que ce soit sur une base régulière ou de façon ponctuelle, ben, j'ai trois astuces à vous présenter. Premièrement, pour développer justement des éléments qui vont venir favoriser votre motivation à aller dans votre espace de travail, gardez cet espace-là propre et bien organisé. Donc, si vous avez des filières, utilisez-les. Si vous n'en mettez pas, ben, trouvez-vous-en. Gardez votre bureau dégagé. Utilisez une liste de ce que vous avez à faire à chaque jour. Donc, c'est le premier point. Deuxième astuce. Préparez-vous le matin comme si vous alliez recevoir un invité spécial. Donc, prenez le temps de vous faire beau, de vous faire belle, mettez-vous à l'aise. Mesdames, si vous vous maquillez habituellement pour faire une sortie, si vous peignez vos cheveux d'une manière quand vous sortez, ben faites-le le matin. Prenez le temps de mettre des vêtements que vous êtes confortables et que vous vous sentez beau, que vous vous sentez bien, que vous vous sentez présentable. Ça vient agir directement sur votre motivation, sur votre état dans lequel vous allez vous sentir. Et le troisième astuce, c'est, ben, je vous dirais, gâtez-vous, mettez, créez un espace agréable où vous allez aller passer plusieurs heures pour travailler. Même si c'est chez vous et surtout si c'est chez vous, ne prenez rien pour acquis. Alors, si c'est une journée, exemple, une journée qui a un temps gris, où vous ressentez la grisaille peut-être, bien, prenez le temps de vous mettre la musique à votre goût. De choisir vos meilleures tunes. Si c'est allumer une chandelle qui vous fait plaisir, ben faites-le, faites brûler de l'encens. Moi, c'est des huiles essentielles qui viennent ajouter à mon bien-être dans mon bureau. Vous aimez les fleurs, ben pourquoi pas vous payer un bouquet de fleurs ou aller dans le champ vous en cueillir. Fait que tous ces moyens-là qui ont l'air bien simplistes, on met par une différence dans la qualité de vos journées, dans la qualité de votre état d'être, mais aussi dans la qualité du travail que vous allez accomplir. Fait que ces astuces, donc, vous sont utiles pour augmenter votre motivation à vous emmener dans votre espace de travail le matin pour ceux et celles qui travaillent de la maison. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée productive et dans la bonne humeur.